pour se justifier, pour être Congolais, il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Dans le lobby, les tout cas, ils viennent. Parce que comment est-ce que dans un pays, dans une province, dans une ville, majoritairement contre les Rwandais, mais quelqu'un qui soutient qu'un Rwandais soit gouverneur de cette ville. Mais c'est hallucinant. Barnabé, qui me suit. Non mais, je ne sais pas. Mais ces journalistes, vous en avez pour informer l'opinion. Donc vous risquez, vous confirmez qu'il y a des petits Congolais. Dans quelle archive? Dans quelle histoire de ces pays? Mais tant que Yambi, Moutoukola, non. Non mais, c'est parce qu'ils nous ont imposé la guerre pour devenir Congolais. Pour la parole, ceux qui vont limiter que tous les Congolais, nous allons faire la guerre. Et bientôt, on va négocier à la Bango, les 1 plus 4. Pour le ministre Rabisso, tout le monde est monstre à 4 têtes. Le Tosukawap, Bakina San City, la constitution rédigée par Thabo Mbeki, il y a un gros homme à Thabo Mbeki qui a des origines Tutsi, de l'autre côté là-bas, Tutsi. Mais je vous dis, il faut faire des recherches. Ce qu'on est évité. Et donc, c'est pour dire que nous avons un combat. Dans ce cas, moi, je suis congolais, je suis un congolais, mais tout rien. Mais dans ce monde, il y a Congo uni partout si vous allez, on est là toujours côté devant bah téléphone d'abino partout si vous vous là c'est éternellement d'abino bolinga kabiso pour la musala ou tout ça là car on est là vraiment pour la protéger c'est abino basango car si sango ya République démocratique du Congo ya on est à la charge d'abino et si quand ils sont macabrezo qui est malade monté on est là il faut te mettre à cette pour que macabrezo en ait là et si quand même macama malade ils allent tout ça là pour la couper dans ma boue pour la encourager situation il y a est à République démocratique du Congo. Lelo Kagame a bâti qu'on se plaindre et quoi accuser. Lelo ba Azad a confiance sous il y a Sadek était ma soldat Sadek était parce que Mamou Basangani dans ma soldat il a fait décès non c'est ma faire décès à l'obil sous ma FDLR. Oui, au gouvernement congolais a bandi qu'on exploite pour qu'il y ait une insécurité. Deuxième problème, il sur la situation, il y a Ituri, il y a toujours qu'à l'Est et à la République démocratique du Congo. Tout le monde qui s'en va, les chefs de guerre, ils sont semés sous la désolation. La partie Est de la République démocratique du Congo. Il y a un lelo, et le monde a un bon auto yambi, il y a un bon Senga. Il a se présenté. Je sais pourquoi et puis vous allez découvrir raison. Il y a pour Sengaï à se présenter. Moi, la Moka, Mbote Mingi Palao. Mbote Mpanzi Sango, c'est pour moi un sentiment d'État, un sentiment patriotique. Il y a pour Zalanakati à Congo Unu. Merci. Le Lochen Mounene, internaute, téléspectateur, ou Yobakulandabiso, Zala suffisamment informé. Namakambo, ils ont les cas, Nambo Kanabiso. Comme j'ai toujours dit, en tout cas, mes frères et sœurs, dans les soucis de vivre les années qui viennent avec beaucoup plus d'enthousiasme, de responsabilité, du patriotisme, cette guerre d'agression qui nous a été imposée injustement par la coalition Ougando-Burundo-Rwandaise dans l'objectif, dans ce qu'on précisait, d'éliminer systématiquement nos autorités, les élites intellectuelles congolais dans la politique, dans l'armée et toute autre personne patriote. Et aujourd'hui, la nation congolaise a encaissé une perte énorme en vies humaines, dont les femmes violées, même les hommes ont été violés en République démocratique. C'est par la haine, c'est par la vengeance. Il y a des gens qui ont kata maboko pour venger une histoire ou pour réclamer des terres. Même les enfants ont tout le temps dans maboko. Décapité à morceaux, ils ont le col en tabac.
comme si on avait affaire à faire passer l'âme humaine à l'abattoir. Donc, on a un abattoir, des atrocités, des crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Il y a un génocide. Parce qu'il n'y a que le génocide congolais. Et atteindre un nombre élevé, depuis que tu connaîtras la guerre, depuis que tu connaîtras, je ne sais pas, des génocides. Et même le faux génocide organisé par Paul Kagame, il y a moko dans Museveni no konaye, et ça là 800 000 morts. Les faux génocide. Il n'y a jamais eu génocide au Rwanda. Écoutez, monsieur, un génocide organisé par Paul Kagame et Museveni. Bon, je n'aimerais pas parler de ces pays-là. Laissez-moi parler de mon pays qui est la République démocratique du Congo. Génocide qui a fait 800 morts. Mais on a commencé à côté plus de 12 millions de morts où la communauté internationale a reconnaître Yambo. Et on va député de voter qui fabriqué par Kabila en 2006. Voter qui certaines personnes babimaté des députés fabriqués par Kabila en 2006, fabriqués encore par Kabila en 2011, fabriqués en 2018. Et les députés fabriqués, je dis bien, en 2023, il y a des députés fabriqués. Oh. Ah, je vous dis la vérité. Déjà, la liste, députés, bah, ça, mais pas. Comment se fait-il que liste, il y a bien validé à l'Ibosso et Bimi, il y a Mbari Bimati. Kadima doit nous dire. Oh. Comment on peut valider ça, bah, pour qui est suite, ça. Suite, à mon âne, il y a bloqué. Hein. Kigali a bloqué nos côtés. Tout ça, Awa. Tout aussi, là, non, Awa. Parce que le peuple a l'ennemi. Nous travaillons parce que nous sommes des patriotes. 5 ans à tête 10 francs. J'ai dit 10 francs. Mais tu as besoin d'un côté. On n'en a pas besoin, mais on est patriotes. Nous ne sommes pas là pour cajoler ma besoin de caractère sacré, mais pour dénoncer. Et dénoncer ce qui est, en tout cas, hallucinant et tout ce qui est anti-valeur. Tout le Biladan Makamouya, République démocratique du Congo, surtout la partie Est. Qu'est-ce qui ne va pas? Il est là où Kagame est là où il est là où introduction à ça, on se plaindre qu'il est là, même Sadek, Dani Sadek, Abandi Kozwa, même bah, FDLR, au Bissot, même Bissot, au Yébike, même communauté internationale, et Yébike, et Zali, Moko, il y a un rebelle, où il va se déranger le pouvoir en place. À ça, la raison pour se plaindre, pourquoi Bissot, le l'autre, on va utiliser bah, FDLR? Bon, ok, d'accord. Vous avez l'opération Turquoise. Ils ont eu des billes à malheur. Il y a peuple congolais dans le cannabis. Parce que les autres tali, tango, faux génocide ou encore. D'abord, avant génocide, il y avait coup d'État, je dirais, et salement à Rwanda. Parce qu'il y avait deux présidents. Il y avait un pays, Mibale, Bakoufa, Nakati en avion, dont les Rwandais et ses instigateurs, lançant. Obi, non. Environ, il y a 10 présidents en exercice. Et donc, vous comprendrez que Batouana, il fallait d'abord déstabiliser les Rwandais, déstabiliser les Burundis, s'allier avec tout ce monde-là rwandophone, et maintenant déstabiliser les Grands Congos, en complicité Naba français, en complicité avec les Belges, en complicité avec les Américains, en complicité avec les Allemands, en complicité avec les Suisses. Si je n'ai pas cité que c'est ces pays-là, et les autres ont vivre Makambo et Bamba planifié. Parce que comment est-ce que l'Est, il y a beaucoup de cannabis, nous avons connu beaucoup, en fait, j'aurais plusieurs présidents. Il y avait Kassavou, Moutou, qu'on était pour le Mouanate. Un certain Mobutu qui a régné 30 ans. Mais après Mobutu, tout le monde y délige. Tout le monde y régionalisme. Il y a tout comme dans 26 provinces. Certes, ce n'est pas mal parce qu'il y a autonomie à la province. Est-ce que ces provinces sont autonomes? Non. C'est parce que l'étranger qui nous a infiltrés depuis 2006 dans Sand City. Et aujourd'hui, nous avons une constitution taillée sur mesure. Je peux citer un article dans la constitution qui dit, article 217, la République démocratique du Congo peut conclure des traités d'associations et des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté. En vue
de sauvegarder l'unité africaine. Est-ce qu'ils ont qu'il faut sauter comme pour atteindre des lois? Mais ça dit tout. Mm-hmm. Il n'y a pas un politique à Kondima, à Platon, à expliquer cet article. Il va parler des dispositions, il va parler d'autres choses. Ce sont des articles, les arabakats, il y a ma convention. Mais ça ne peut pas paraître la Kati, il y a constitution d'un État indépendant. C'est pourquoi le Bozomona, aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut se référer à cet article pour négocier. Okay. À chaque fois que Toza menacé, Tobanda qui n'a monté bousi des généraux dissidents, la CNDP, Tokéi un certain Kundambatoire, Tozomi le Tomoni un certain Vianney, on ne sait pas, Willy Ngoma, et tous ces pseudo-Rwandais qui sont soutenus par Kagame, agresser les Congo. Mais c'est hallucinant. Ndeko Nangai, Nakoye Bisayo Loko Moko, pour révéler quand même ma Congolais, Oebaï Kolonabiso. Bituma Oebanda, comme le bandit Laurent Désiré Kabila l'a dit, ces gens veulent noter. L'Ouganda veut exploiter les cafés, veulent exploiter les tabacs, veulent exploiter les bois, en toute liberté. Mais ce n'est pas l'Ouganda qui vend les bois. L'Ouganda a la matière première qu'on a fait ma belle. Et l'autre côté, le Rwanda non plus. Mais derrière l'Ouganda et le Rwanda, parce que l'Ouganda, bientôt, vous allez programmer un pays en voie de développement, un pays construit. Et les Rwandais, vous voyez aujourd'hui, ce qu'ont fait les Rwandais. Sauf qu'ils ont mis un bâtiment à 10, 20 niveaux dans le Rwanda et dans le Congo. Si on a parlé de la guerre du sang, l'RDC est toujours victime. C'est-à-dire qu'ils ont puisé le sang des Congolais pour construire cette ils ont aujourd'hui. Parce que les lots et chefs de l'État sont tombés presque partout pour ça la diplomatie, malgré ma camboïsimbaté. Donc, il a dit, moi, dans Boka, Barnabé, Milingagno, moi, le bis solution, ça, on a quatre à Congo. Il suffisait tout simplement. À qui n'a moins dans l'histoire, hein, pour le baquet, c'est depuis les années, tout ça, la peuple, mon corps. Pour que y ait un exemple, il y a Baluba, Nabandeko, il y a Kwango, Nangula, et ainsi de suite, qui est dans le bazar, dans l'origine, dans le bango, qui va faire des sikamoko. Solution à PC. Ils ont dit tout simplement, il y a aucun matin dans la province, soit la côté, il y a des fils qui un tout petit comme gouverneur, situation, et qu'on s'est calmé, puis va tourner dans le bango. Et à ce moment-là, le chef Koutimi, il y a un bakamal, il va faire un peu. Moi, je pense que Ndeko journaliste, soyons sérieux. Balingi ba séduire biso na ba discours. Balingi ba séduire biso na déformation et histoire. Nous devons réécrire l'histoire de ces pays. Lumumba l'avait dit, l'indépendance du Congo ne sera pas un don, mais c'est un droit fondamental des peuples congolais ba bombayé. Ce n'est pas pour autant que Balumba botamité, monsieur le journaliste. Yebisanga tout ce qu'elle tribu. Na quatre espaces linguistiques autosanango, tout y a zawapi. En République démocratique du Congo. Soyons sérieux. La constitution taille sur mesure. Bah, même la bison à Bizimakara. Bah, même ça, de Gracia, si vous pouvez vous faire. Excusez-moi, n'a pas de combat. Dès qu'au journaliste. Ok. Tout le monde n'a pas. Ok, vas-y. Laissez-moi l'étendre. Bah, même la bison, bah, Azaria, c'est Roubero. Il faut y aller dans le ministère de décentralisation. Avantager un certain, je ne sais pas, espace, il y a Minembwe. Mais Minembwe, il y a Moulengue. Moulengue, il y a Kuna. Minembwe, il y a na ouvira na de l'autre côté. Il y a problème ni Kuna. Est-ce qu'il faut qu'un administrateur à la Okonayo, non Konayo, qui ne parle pas la langue congolaise, dans quatre linguistiques, se retrouver, qui parle le Kinyarwanda. Et c'est pourquoi, mon ami, Jeannette Kabila, elle a essayé, comme elle a dit ça dans le Parlement, que le Kinyarwanda, ça n'est et qu'on s'en est macaté. La personne qui osera, je vous dis, je mets quiconque à défi. Oh, il y a caca un jour dans le Parlement, de parler de cet événement. Donc, on parle de quoi, pendant que nous sommes. Écoutez, je vous dis. Voilà que ça soit la démocratie. Lobby, hein? Tout le monde est libre. C'est quoi la démocratie? C'est quoi la démocratie? Maintenant, on a cette déclaration. C'est quoi la démocratie? Le pouvoir du peuple pour le peuple par le peuple. Et si le peuple décide, le lot, dans un référendum que tu prends, parce que ça est autre raison. Nous avons la pandémie, comme tout ça. Cette guerre, les alliés guerre et intimidation, ils n'ont jamais gagné la guerre. Le Rwanda n'a jamais gagné la guerre. Même dans le pays où il y a un métier de paix, Toké na Malawi, a gagné Bitumbate. Toké na Souda, a gagné Bitumbate. Bisika nous matin, on a un métier de la paix. Rwanda a gagné Bitumbate. Tu as vu le système à Bitumbate, comment Bundaka. Et les Rwandais ne combattent pas. Ce sont
des pseudo-congolais qui acceptent de se laisser manipuler comme un inconscient comme Willy Ngoma, un autre inconscient comme Corné Nanga. Oh. Et, Voilà. Quand on dit, nous crions fort qu'on est infiltré dans ces pays, il approche les présidents avant qu'il ne soit. Ça dit tout, mais Corné Nanga Lelo, Azali n'a pas passé beaucoup dans le Bokanabisson. Lelo, tout le monde a. Les Seleka, après défection na yena M23, les Seleka sont prêts à attaquer et il s'avérait que basu des villages d'à côté à province déjà entre notre pays et le Soudan. Et donc s'il y a quelque chose qui se prépare, sauf que d'autant avancé, il y a M23, ce n'est même pas le M23, c'est l'armée rwandaise avec tout matériel militaire, je dirais les renseignements tactiques, les renseignements stratégiques, les contre-renseignements sur les sols congolais, en lançant même des obis, balancer ma obi, et ils allaient théâtre traiter à partir des sols rwandais, tin à aéroport international. C'est bien sûr. Il faut tout constater que là. C'est là où se posent les problèmes, les vrais problèmes de Konanga. Pourquoi il faut que toi, tu aies ça? Lélo, ou tu as un Sadek, tu as une armée burundaise. C'est-à-dire que tu as une armée sud-africaine. Bien que l'Afrique du Sud contribue dans la SADC à 65%. On a parlé quand j'ai parlé de l'ALEAC, dans la Bengango Eastern African Community, il faut tokota qui stratégiquement pour savoir qu'est-ce qui se passait dans l'ALEAC. Il n'était pas important au président Félix de faire confiance à l'ALEAC. L'ALEAC, ça give confiance à l'ALEAC. Tozali a une commission de coordination avec l'Ouganda. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que le Congo est faible? Jour ni tokene na Ouganda, sans bakéi, to traqué ba M23 au na Ouganda. Donc les M23 sont logés à l'Ouganda. On n'a pas le temps de traquer les M23 logés à l'Ouganda, mais nous avons la facilité de prendre nos militaires na une coordination pour traquer les rebelles ougandais au Congo. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il n'y a pas des ADF au Congo. Il n'y a que des gens que l'Ouganda présente comme étant des ADF pour mater les Congo. Parce que l'ADF n'a pas besoin de tuer les Congolais. Il a les conflits, je dirais un conflit avec l'Ouganda. Mais Lilo, tout le temps, tu as dit que tu as agression, ils ont Rwanda. Mais comment Ouganda les autres, ils m'ont mis. Entre temps, Lilo, sauté ma frontière, dans le Bounagana, à la porte d'entrée à Ouganda et non à Rwanda. Mais le Tozo, tu as dit que tu as Ouganda. Beaucoup plus que Kagame. Les services de renseignement, ils ont des informations. Mais ils ont des informations très sensibles où les services de renseignement vont livrer à la population. C'est ça la politique qui est de chez nous. Mais l'Ouganda a facilité la prise de Bounagana. La République démocratique du Congo, Lelo, est-ce que c'est un pays indépendant? Est-ce que nous... Non, j'ai dit l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est par rapport à la frontière, la mission de nous occuper. Est-ce que nous avons le contrôle de toutes nos provinces? Nous avons le contrôle de toutes nos frontières. Non. Aujourd'hui, le pays agressé est assiégé parce que Bounagana, ils ont beaucoup d'habitude. Et encore plus pur, les rebelles qui installent une administration civile et militaire. Taxe, ils allient déjà. Qu'on fout dans la rebelle. Baza côté Kamabele. Oui, ça c'est pas nouveau, Nekonanga. C'est parce que nous avons des traîtres. Nous avons des complices. Parce que Bakondi, on va nous diriger Missou Baza soit commis à Bakondi. Lui pense que le moyen facile de faire, il faut trahir Nekonanga. Voilà pourquoi Barnabé a signé la petite. Non, mais Barnabé, sur autant de postes, c'est un nom qui n'existait pas au Congo. Un certain Barnabé. Mais je vous dis, un certain Barnabé, vous savez, les Tutsika, ils sont venus au Congo pour se justifier, pour être Congolais, mais ils sont pas Congolais, il n'y a pas que lui. Barnabé, dans le lobby, les Tutsika, ils viennent. Parce que comment est-ce que dans un pays, dans une province, dans une ville, majoritairement, contre les Rwandais, mais quelqu'un qui soutient qu'un Rwandais soit gouverneur de cette ville. Mais c'est hallucinant. Donc, Barnabé, qui me suit, un Tutsi.
Non, mais je ne sais pas. Mais ces journalistes, tous ça, on a pour informer l'opinion. Non, donc, vous confirmez qu'il y a des petits Congolais? Dans quelle archive? Dans quelle histoire de ces pays? Mais tant que non, mais c'est parce qu'ils nous ont imposé la guerre pour devenir Congolais. Pour la parole, ceux qui m'ont limité que tous les Congolais, nous allons faire la guerre. Et bientôt, on va négocier à la Bango, les 1 plus 4. Pour le ministre Rabisso, tout le monstre à quatre têtes. Le Tosukawap, Bakina San City, la constitution rédigée par Thabo Mbeki, il y a encore un Thabo Mbeki qui a des origines Tutsi, mais là, son côté là-bas, Tutsi. Mais je vous dis, il faut faire des recherches. Ce qu'on a évité. Et donc, c'est pour dire que nous avons un combat. Dans ce cas, moi, quand on a besoin d'un Bango, il y a tout rien. Mais dans ce monde, la Bango, il y a un groupe, il va soutenir Makenga. Il va soutenir Willy Ngobo. Il va soutenir Kagame. Un Congolais. Tu voulais lancer un message à Barnabé? Mais Barnabé, il n'est pas le nôtre. Tant qu'on a le Barnabé, dans la Bible, quel était le rôle de Barnabé? Et aujourd'hui, Barnabé, qu'il est, après au Pirge Pennaé, ailleurs, il se souvient de ça, le populisme. Monsieur, les Congolais, les autochtones sont réveillés. Il n'y a plus moyen de faire la même formule. Si l'histoire se répète dans la question de la guerre, est-ce que l'histoire peut se répéter? On va voir un certain Barnabé va nommer ministre de la décentralisation. Mais voilà, Yango Balobi, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand il parle de tout, est-ce qu'il défend les morts des Congolais? Est-ce qu'il a défendu les 10 millions de morts? Non. Ça ne pose pas problème. Les Congolais doivent mourir, doivent souffrir, doivent disparaître, mais il faut vanter les Tutsis. Les Tutsis. Okay. Mais aujourd'hui, les Tutsis n'ont pas la place à. Okay, merci. Arrête-nous, non, Catholique. Ok, la deuxième thématique, pour toi, citer M. Lapso, c'est par rapport à la situation sur les Canada Ituri. Bah, Emma, Balendo, Ojiste. Voilà, les Soudobens de Rabba Rwandais, ils vont infiltrer M. Lissou à Tabino Moko. C'est compliqué, Baba Kambo Baba. Ah, Ndeko Nangai, c'est la histoire. Oui, mais l'histoire, la définition de l'histoire de Tangaka, c'est une science qui étudie les passés de l'homme dans les temps et dans l'espace. Bah, toi, l'ingité, ton origine, ma tribu, mon sous. Sur le lobby, que yon, tribu, on a un peuple nomade, Bazalaka, ma peuple, Moko, Bautaka, côté Moko, Bayaka, Naituri, Bakutaka, ba autochtone. Nous avons un exemple. Nous avons un autochtone et un autochtone, nous avons un peuple élevateur. Nous avons un bétail, nous avons un tribu. Quand nous avons un bango, nous avons un associé à Makila, nous avons un lien avec le Bautaka parce que nous avons un peu de Somalie, Éthiopie, Bakiti, nous avons un langue, nous avons un langue, nous avons un langue, nous avons un langue. Nous avons un langue, nous avons un langue, nous avons un langue, nous avons un langue, avec les bantous, nous avons un canaté. Nous avons un pigme, nous avons un bétail par nous parce que les premiers pigments du Congo, c'est les pigments. Ma pigme va bounda la bazamba, ma kowapi. Vous en comprenez? Donc, c'est une histoire. Ma histoire est madame Boko, mais ma histoire est en haut, ma commande en chroniqueur. Vous avez une histoire est vraie. Ma chroniqueur? Ma tout le monde, ma Thomas, ma historien. Vous avez une histoire, il y a guerre. Vous avez une histoire, il y a guerre. Non, non, nous avons des professeurs historiens dans Boko. Vous avez une origine, vous avez une histoire. Vous avez une histoire. Il y a musique. Ça, c'est pour la musique. Donc, il y a musique. Comment on va dans la distraction de la carité? Donc, c'est-à-dire que les locaux, comme nous avons une histoire, une histoire, une boucle. Bon, acceptons que nous sommes tous Congolais. D'accord? Mais servons les Congos. Aimons les Congos. Est-ce que tu es un Congo? Non. Les locaux, les gouverneurs militaires qui ont maîtrisé, je dis, la situation économique, sécuritaire, je dirais même culturel, par rapport à ceux, en fait, je dirais, prédécesseurs. Autant vous avez un gouverneur militaire, tu fais les gens. Oui, mais gouverneur militaire, il y a état de siège à l'autorité. Mais, oui, bien dit. Tu n'as pas besoin ou tu n'as pas d'autorité. Mais c'est le ministre, en fait, bon, les journalistes, c'est dans la cas, moi. Parce que le gouverneur, Johnny Nkashama. Nkashama Johnny. Mais oui, je parle du gouverneur militaire. L'autorité établie. Mais c'est lui qui a maîtrisé la situation de l'Est. Mais je vous expliquerai. Il y a un moment, hein. Les locaux, ils vont comprendre.
makambu ya est banda lelote tango Johnny Luboya azana tête ya province lokola Ituri ndeko nanga ta yoke kuna na mutu ya province wana baolinga te. Je vous jure. Non. Balingete. Est-ce que vous pouvez comprendre les seigneurs des guerres? Zahir. Oui. Kodeko. Zahir de Hema. Kodeko le Lendu. Papa, na rotika bino kimia te bon. Mais ça va leader là. On a besoin par papé, par Congoban, par Eba. Zahir et Zanini. Non, ils ont dit ma milice. Okay, comment on a mis Zahir? Baza la leader na bango. Baza na ba leader na bango. L'autre fois, Zahir est à la IPC à Thomas Lubanga. Condamné à la CPI plus de 20 ans. Monsieur Bogo, intimidé, raté. Je suis intimidable. Oui, Balingi Toro, maman, Thomas Lubanga. Parce que Bangonde, Bamona Thomas Lubanga, Nzambe. Criminel! Seigneur de guerre! Sanguinaire! Il a le sang des Congolais. Kawa! Criminel! Seigneur de guerre! Il a le sang des Congolais. Entre ses mains. Je suis en train de dire l'histoire. Ici, je parle de l'histoire. L'Union sacrée, c'est quoi? L'Union sacrée, Zalini. Mais Zali et Loko Oyo, le pouvoir en place et ses partenaires, va créer constitutionnellement pour la constitution de la parlement. Ça n'a rien à voir de l'histoire de ce pays. L'Union sacrée qu'on l'écrit. Comment se fait-il que partout, ça n'a pas de si la Ligue va répondre dans le Mambotou. Il va faire ce que vous voulez l'Union sacrée au Bung Sangai. Les Ngojolo, les Déo de la Codeco, criminels, sanguinaires, seigneurs de guerre. Bokozalaka ba ambassadeur de la paix te, bokozalaka ba ministre te. Les Kinois, bafungola li misu te koyo mambo salaka. C'était caché là-bas à l'est du pays. Osez de faire, osez même d'exécuter ou de tuer un seul Congolais à la machette. Ah, vous verrez comment les Kinois réagissent. Mais je vous dis que ces gens-là sont prêts en tout. Par rapport aux gars est, les gars est, ici ils sont inefficaces, ils n'ont rien à nous dire et pas des exemples à nous donner. Nous avons des victimes de guerre à Kinshasa. Thomas Mbanga pour les moments à Kinshasa. Je ne sais pas, je ne peux pas connaître sa vie, mais ici nous demandons à l'État congolais. Ce ne sont pas des gens à honorer, ce sont des gens qui ont le sang. Les victimes vont se sentir drainées. Bozo Batsabango, Bozo Ribango. Ce sont des gens où, après qu'au prison, ma peine, ma zone, ma citoyen, normal. Peut-être une nouvelle génération itourienne. Ou le MMA ou Bazaki Nagati a conflité. Thomas Sabango. Le Lendu non conflictuel. Thomas Sabango. Tant il dit Lendu na Emma pour que nous ayons la paix. Est-ce que Congo Mobimba qui vaut plus de 450 tribus et ça a besoin de cas qu'on a détruit? Mais papa, on sait que ça va nous faire. Pendant que Moko na Bango yé wana zan alias fleuve Congo. Moko na Bango, c'est-à-dire? Non, il n'est pas Emma quand même. Je parle. Non, vous m'avez. Il n'est pas Emma, il est qui? Est-ce que Nangaza est équatorien, non? Il n'est pas l'Inde, il n'est pas l'Inde. Ah, vous savez que vous m'informez que Nanga est de l'Ituri. De l'Équateur, non. Non. Mais c'est ça, oui. Grand Équateur, à l'époque, c'est ce que je suis en train de dire. Okay. Il n'est pas de l'Ituri, de la province orientale. Non. Là, on doit se comprendre. Merci. Et donc, au moment où il est là, na Congo, tout ce qui est unitarisme, le col à l'époque, il y a Mobutu, comme nous avons connu. C'est vrai qu'il était un dictateur, il a détruit les pays sans accord, je ne sais combien pas. Il a aussi des points positifs. Bien sûr que oui, mais il a unifié les Congos, il a rassemblé les Congolais. Tous à la barre rassemblés. Je donne l'exemple. Okay. J'étais dans, en fait, événement Moko est sorti officiel, il y a Asbel Moko Owabengi, nouvel agenda du Katanga, initié par AG Matembo Toto. Un grand notable du Haut-Katanga, Ajematen Okile, il a réfléchi avec ses pairs. Tout ça, la nouvelle agenda du Katanga. Mais nouvelle agenda du Katanga, au sein d'Ango Babengisi, le représentant du Grand Kasai, Denis Kambay, Babengi, représentant du Grand Équateur, dont Tomoni Gwake Omer, représentante de la Mongala, Madame Christelle Lieke, Aungi, Moseka Basalaka, et tout le monde est le représentant du Grand Oriental, représentant du Grand Kivu, représentant, il y a Nekongo, les Congo centrales, et du Bandundu, du Grand Bandundu. Et c'est-à-dire les Bandundu de Moulele, les Bandundu de Antoine Kinzenga, réunis, j'étais très surpris de cette initiative. Il y a un gros bandeau, il faut embrasser l'eau,
Ezali malam. Alors papa, il parle sur quoi? La cohésion nationale. L'unité des Congolais, le rassemblement. Et ce que j'ai aimé de son discours, Ajemate Mototo a dit ceci. Les Katanga ne sera jamais développé sans concours à ma province, Mosusu. C'est-à-dire, histoire, il y a bateau, il y a bateau, Katanga, Bobo Sanango. Bateau, Bakata et Touri, oubliez! Bateau, il y a bateau, Kivu, oubliez! Oh! Bakata Bakomo, oubliez! Mais l'autre commune va rassembler, le coup, là, AG Matembo, Balobi, d'ailleurs, dans le Seigneur de guerre, Wallanios. Va se réunir derrière AG Matembo. Va se répentir. Pour que. Il a le chef de l'État, il a besoin. 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 Bon, pour n'acheter, na kolobak, l'as belle ouana, ils ont une idée à Kosangi Sabato. D'abord pour la cohésion nationale et l'unité nationale. L'initiateur, Ajemate Mototo, sorti officiel, Hôtel Béatrice. Là, je passe, Nakangi. Pour nous unifier Congo, et c'est un cas qui a été tout ça, traître. Si on invite quelqu'un, il faut être un patriote, quelqu'un qui aime son pays, quelqu'un qui dénonce d'abord la violence, quelqu'un qui a les cachets judiciaires blancs comme le neige. Mais Ndekonangai, est-ce que tu reconnais? Parce que ma seigneur de guerre, Moussou Bazana Ndolo, Moussou Bazana Makala, Moussou Bazana ministère. Eh, Neka yo lobiwa. Mais bien sûr que oui. Le lot où ils allaient passer. Il y a un autre au Senga, la présidente de la République. Ils allaient deuxième mandat. Il est temps, il y a qu'on prend des consciences et qu'on revoit sa politique. Il y a balayé. Parce que le président, dans le premier mandat, qui n'a pas été vraiment avec succès. D'accord? C'est parce que à Sangisaki, Batunios, Akei na FCC Azui, on met ça dans le bateau, mais ma présidente n'a qu'il gagne. Bazali, Bazar, Bazar. Bazali, ma conseil, sur le même titre qui gagne pour avoir un conseil du président. Si on se rapproche de la Rwanda, n'est-ce pas Kimia? Mais le président a expérimenté, après rapprochement de Congo et le Rwanda, les lots, tout le monde est rwandais qui t'a la sous terre, tout le monde est Karega, Azoma la Rwanda. Mais les lots Oyo. Qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qui nous reste pour que la RDC a quand même la frontière naïe? On est en guerre. Ce n'est pas que la guerre est annoncée, tout le monde est position, mais tout le monde a fait pour nous mettre en guerre. Non, c'est ça. C'est ça le problème. Ceux qui va wazale nous va continuer à Makambo, parce qu'ils sont des patriotes, au moment qu'on perd de ma terre, ils ont compris que les autres vont tic à la senteur. Un peuple, Oyazani Mabele, c'est un peuple sans histoire. Alors, Bandeko Batelemi. Mais tant le gouvernement, c'est là qu'il m'a annoncé, Wabunda. Mais il y a la guerre. Les M23 nous attaquent chaque jour. On a la guerre. Bandeko Lamso Koba, parce que Bandeko Lamso Koufa, M23 Bazo Koufa. Donc, c'est-à-dire que la guerre est là. Que le président, l'institution présidente de la République, ne nous dit pas que, oh non, la guerre coûte cher. Mais la guerre nous coûte déjà. Nous coûte la vie des Congolais. Donc, un Congolais qui meurt, parce que Obi et Outi na Rwanda, et quoi, je ne sais pas, dans le village Mokoya Congo, a Koufi, sa vie, même si ton petit famille est 1 milliard de dollars, la mémoire de cette personne, est-ce qu'il y a qu'on a les sous? A qu'on a les sous? La vie humaine est sacrée. C'est à l'autorité de nous protéger, de protéger l'intégrité territoriale et de protéger tout Congolais sur son territoire. Mais aujourd'hui, voir un pays divisé, un pays décapité à morceaux, un pays à moitié où Bounagana, l'administration est établie, moi je demanderai au président de la République
Il y a la sécurité, il y a la sécurité, il y a diplomatie. Parce qu'aujourd'hui, il y a évalué Moutou par rapport à Moussala Assali. Est-ce qu'il y a-t-il un succès depuis le chef d'état-major? Disons-nous de vérité. Est-ce que le nom. Vice-premier ministre de la Défense? Mais non! Écoutez, je dis non. Je dis non, il n'y a pas de succès. Le succès, c'est quoi? C'est après un résultat positif qu'on dit qu'il y a un succès. Mais pendant les combats, on dit qu'on est en train de résister. Pourquoi résister toujours à l'ennemi? Pourquoi pas dévancer l'ennemi? Si les Rwandais, ils prennent plaisir déloger les terroristes, papa Nangaï, topézé, bamo. Tant que tu as un 23 ma terroriste, la communauté internationale, tu as un terroriste, tu es rebelle. C'est ça le problème. Mais tant que vous avez un FDLR, malheureusement, la communauté internationale dit cessez de soutenir le FDLR parce que ce sont des génocidaires. Donc, il y a des mots qui n'est pas encore réqualifié au niveau de la diplomatie. Donc, le Tounoula a échoué sa diplomatie pour qualifier les M23 des terroristes auprès de la communauté internationale. Parce que si on est un terroriste, les États-Unis, ils sont le premier pays où ils ont défendu, ils ont bouillé contre le terrorisme. Sans qu'un Guantanamo torture, pendaison, ils sont Tilelo, à table abolissant loi, il y a peine capitale. C'est-à-dire que le terrorisme, tout le monde a fait les Nations Unies contre le terrorisme, et les en Congo, pour la contraquer, et le loyo vient à la table de la tête, le loyo, et c'était condamnant à cause ça, la discours, na Belgique, par le Kangaï, par Jean-Pierre Bemba, dans ma Kambo, et ça a rendu le terrorisme, et à Edaka. Un président en exercice pour la continuer la troupe là-haut. Donc, vous comprenez un peu? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais ils n'allient pas si. Ah là là. Dernier message, vraiment, la Congolais, mon petit Colanda, ils sont dans mon rapport. Dernier message, ils allient que peuple congolais, levons-nous comme un seul homme. En mettant de côté tout ce qui nous avilie et tout ce qui nous divise. Et combattant l'ennemi qui est faible et connu. Un Rwandais, il est fort quand on ne les connaît pas. Il nous infiltre quand on ne les connaît pas. Ils sont à Kinshasa. Ils sont dans nos provinces. Nous les connaissons et nous les avons identifiés. Il est question, il y a Bissau, Kosinir, et de savoir que la guerre sera longue et populaire. Les lois sont populaires. Mais Soukanamo et Kozonga Bissika et Outaki. Et là, vraiment, na combo et ba martyr de l'indépendance. Na combo y a ba victime de guerre depuis 1997. Na combo y a ba 8 millions, 10 millions de morts. Je vois Armand Toumbulu parmi, qui était de la diaspora. Je vois Chebea. Je vois Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala. Je vois Gabi, Cédric Nyanza. Si je ne peux que citer ces personnes-là. Et Cheribé Okende aussi, parmi ces gens, je dirais que on ne libère pas un peuple, mais le peuple se libère. C'est maintenant ou jamais. Merci, c'est maintenant ou jamais. Les amis, pourquoi Maloba Souka et moi, dans Boka Tosala, qui n'a pas dit que vous sentiez ma matière ou à Zanango, n'a pas dit que vous sentiez à l'Ibosso, mais Zambala Souka, et à Zanassou, l'installation à Bissau. Vraiment, n'hésitez pas pour s'abonner, pour aimer, pour ça, là-bas, commentaire. S'il y a même des questions à poser par rapport à l'intervenant d'Abisso, n'hésitez pas, vous dites d'ailleurs, et vous comme il a époux, qui est toujours sous les papiers, en compte, les noms, on a vous c'est Pela Kinabisso, merci, la promo, ini, pour la technicien, nous, sur Sam, pour Azawana, déjà pour la caméra, et puis, dans l'équipe technique, Mobimba, merci, Nabino, tout le monde, à Nimbala, si ma pile, à numéro 12.